au démantèlement de l'ex-Yougoslavie, enfin de la Yougoslavie de l'époque, et de cette dramatique guerre.
région européenne. À partir de quand? Eh bien, à partir du coup. Siècle, c'est un peuple indo-européen, donc venu de l'Est, comme beaucoup de peuples indo-européens, et qui va suivre finalement un grand mouvement migratoire qui avait commencé quelques siècles auparavant, et dont ils sont finalement, je dirais, le dernier élément. Donc ils arrivent un peu trop tard pour pouvoir profiter du littoral atlantique, qui est déjà occupé par d'autres populations, populations germaniques principalement, raison pour laquelle donc ils vont s'installer dans ces contrées orientale, on va dire, ou sud-orientale, pour ce qui va nous concerner plus particulièrement, de l'Europe. Je reviens donc sur ce que je disais à propos de la Yougoslavie. Tout le monde, bien sûr, se souvient, en tout cas beaucoup d'entre vous se souviennent de ce qui s'est passé effectivement à l'orée des années 90, à savoir l'implosion de cet État qui n'avait que 73 ans d'existence. Il faut le rappeler, il a été créé en 1918 à l'issue du premier conflit mondial. Et bien entendu, ce qui a frappé, peut-être même choqué, et beaucoup choqué en France, il faut bien le dire, où on avait affaire quand même là, pour notre pays, à une tradition diplomatique qui considérait la fondation de la création de la Yougoslavie comme un acquis, je dirais, définitif. Ça, c'est un petit peu la prétention humaine de croire que les édifices politiques peuvent durer éternellement, parce que la France avait été un acteur majeur de la création de cet État sur les ruines de l'Empire austro-hongrois après le premier conflit mondial. Or, on a bien sûr évoqué tout de suite cette espèce d'aberration, mais comment se fait-il que ces gens aillent finalement presque recul par rapport à ce qui serait un sens de l'histoire, c'est-à-dire la constitution d'un État-nation. Et là, bien sûr, vous avez compris qu'on pense à un modèle comme le modèle français, un modèle en plus un peu jacobin, donc pensant les choses de manière centralisée. Or, évidemment, quand on remonte dans le temps, on se rend compte en effet que, si bien entendu, il n'était pas écrit, je dis bien qu'il n'était pas écrit, que la Yougoslavie disparaisse, elle a disparu pour des raisons bien particulières, on peut par contre remarquer qu'en effet, dans cette région, il y a eu des confrontations ethniques, donc linguistiques évidemment, mais aussi religieuses, politiques, qui expliquent bien entendu la complexité de ce territoire. Alors pour faire très simple, quels sont finalement les points importants qui peuvent expliquer cette complexité donc au travers de lignes de partage? Je dirais que la première, elle est même antérieure, donc elle n'est pas, vous l'avez compris, fondamentale, elle est simplement antérieure à l'arrivée des Slaves. C'est que nous sommes ici dans une zone qui a été une zone frontière. La frontière entre les deux parties de l'Empire romain, la partie occidentale qui disparaît au 5e siècle et la partie orientale qui va perdurer sous le nom d'Empire byzantin. La frontière passait très exactement à partir en fait des bouches du Kotor et à remonter grosso modo vers Belgrade. Donc une sorte de frontière presque orientée nord-sud qui donc a coupé administrativement en deux. Il y avait donc deux diocèses de part et d'autre, et à un moment donné, lorsqu'on a partagé l'Empire en deux, en 395, eh bien, on avait donc les deux parties de cet Empire. Mais je dirais que cet élément n'est pas déterminant, parce que, par la suite, cette frontière va légèrement évoluer. Il y a donc un autre élément qui me semble très important, c'est qu'il y a là aussi une ligne de partage religieuse, et ça, c'est capital, bien sûr, pour la compréhension des civilisations qui se sont développées dans cette région. En effet, la partie qui se trouvait donc plutôt vers le sud, correspondant donc finalement à la Serbie, à la Macédoine, aux régions du Kosovo, du Monténégro, sont des territoires qui ont été placés sous l'obédience de l'église de Constantinople, donc celle qui donnera plus tard, à partir du schisme de 1054, l'église qu'on appelle orthodoxe, alors que les régions situées plus au nord sont des régions qui vont plutôt baigner dans la sphère catholique, celle qui va devenir catholique, donc celle de Rome. Alors c'est très important, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi on écrit avec un alphabet latin au nord et plutôt un alphabet évidemment grec au sud. Hein, on a là bien sûr un héritage qui est dû au fait, bien sûr, que comme les églises ont été, et bien entendu, les vecteurs culturels majeurs dans ces territoires pendant une très 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 longue période, cela bien sûr n'a pas été sans incidence. Mais là encore, tout ce que je vous dis là est très ancien. Ce partage finalement apparaît progressivement au cours de ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, donc entre le 6e et le 8e siècle. Mais là encore, on ne peut pas considérer que véritablement on pouvait avoir des éléments de rupture. Je vous ai expliqué que les Slaves étaient arrivés ici 6e, 7e siècle. Ils forment un ensemble qu'on appelle les Slaves du Sud, mais disons-le tout de suite, il y a plusieurs langues, plusieurs peuples. C'est vrai que Serbes et Croates, par exemple, sont très proches, hein, leurs langues sont extrêmement proches. D'ailleurs, que lorsqu'on va créer la Yougoslavie, on va établir une langue officielle qui est le serbo-croate.
croate, sachant qu'il y avait eu, il faut le dire, au XIXe siècle, à l'époque des nationalités, au moment où justement on redécouvre l'histoire, le passé de ces territoires, la volonté justement de réorganiser les écritures, de les rationaliser, et donc c'est cet héritage qui aboutit à l'établissement de cette langue qui est toujours utilisée aujourd'hui par ces populations. Mais il y avait aussi un autre groupe important qui est le groupe bulgare, donc des Slaves du Sud aussi, les Bulgares, et qui englobe la zone qui correspond à la Macédoine. Ça veut dire que ce qui a correspondu à un moment donné à la Yougoslavie, au territoire yougoslave, comprenait en fait un ensemble ici plutôt bulgare, au terme de langue, un ensemble serbe ou serbo-croate, mais on peut éventuellement diviser ces deux éléments, et je terminerai, n'oublions pas, tout au nord, par les Slovènes. Donc il y a effectivement des diversités. Mais ces diversités ne sont pas si considérables que cela, et on ne peut pas forcément utiliser cet élément pour dire « Ah ben oui, c'était perdu d'avance ». Il n'y a pas plus de différence entre un, je parle linguistiquement, entre un Macédonien et un Slovène qu'entre un Turinois et un Sicilien au moment où l'unité italienne est faite au XIXe siècle. Mais l'Italie n'a pas implosé à ce que je sais, donc ça veut dire que d'autres éléments interviennent. Et ces autres éléments, ce sont bien sûr ceux d'une histoire très particulière, qui a fait que si, effectivement, au Moyen-Âge, nous avons eu dans cette région des États slaves qui se sont constitués au flanc de l'Empire byzantin. On pourrait parler des Bulgares, mais ils ne rentrent pas en ligne de compte ici, mais je parlerai donc des Serbes, des Bosniaques, des Croates. Ils ont eu, à un moment ou un autre de leur histoire, des royaumes, certains assez brefs. C'est le cas de la Bosnie, qui n'a eu possédé un royaume qu'au XIVe, XVe siècle, pendant une période qui est inférieure à un siècle. Pour ce qui concerne la Croatie, c'est différent. Il y a bien eu un royaume, effectivement, au Xe, XIe siècle, mais il a été récupéré par un autre royaume, qui va devenir d'ailleurs la grande cheville ouvrière de l'histoire de ces territoires durant une bonne partie de la fin du Moyen-Âge. C'est la Hongrie. Mais la Hongrie ne fait pas disparaître la Croatie. Elle établit une union, il y a royaume de Hongrie et de Croatie qui, de temps en temps, englobait également le territoire correspondant à la Bosnie. La Serbie a été également un royaume, c'est même peut-être le royaume qui a été, avec le royaume bulgare, le plus important. Il a duré entre le XIIIe et on va dire le XIIIe, XIVe siècle pour sa grande époque. Il atteint son apogée au XIVe siècle et même à ce moment-là, le roi serbe, il s'agit d'Étienne Dušan, Étienne VIII Dušan, prend le titre de tsar, d'empereur. C'est le titre ultime, le modèle évidemment étant Constantinople, cet empire byzantin qui est en train de disparaître et dont ces peuples slaves souhaiteraient être les héritiers d'une manière ou d'une autre. Alors, cette histoire qui se situe, voyez, au flanc de cet empire byzantin, elle est une histoire aussi qui fonctionne par rapport à un autre élément qui est fondamental, qui est bien sûr l'Empire ottoman, l'expansion des Turcs ottomans. Et c'est bien sûr cela qui va totalement bouleverser la situation dans cette région. Pourquoi ? Eh bien parce que les Ottomans, effectivement, vont occuper très rapidement, à partir du XIVe, XVe siècle, jusqu'au début du XVIe siècle, un immense territoire, un immense morceau d'Europe, disons-le clairement, l'ensemble des Balkans, puisqu'en 1526, bataille de Mohács, ils ont vaincu, effectivement, les armées hongroises, le royaume de Hongrie disparaît, ou plutôt va être récupéré par l'Autriche, qui va quelque part l'abriter d'une certaine manière, en termes en tout cas de mémoire, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, la frontière de cet empire ottoman, elle se trouve aux portes de Vienne, donc du côté de l'Autriche. Donc vous avez compris à ce moment-là qu'on a finalement une sorte de remplissage par l'Empire ottoman de pratiquement tout cet espace, à l'exception de l'extrême nord, c'est-à-dire des territoires correspondant à la Slovénie, des vallées des Alpes, où là, effectivement, dans cette zone, Slovénie, nord de la Croatie, on va rester sur des territoires tenus par l'Autriche. Donc à partir de, si vous voulez, du XVIe siècle, il n'y a plus que deux partenaires face à face, l'Autriche et effectivement les Ottomans. Qu'est-ce que cela entraîne ? Cela a des conséquences énormes. D'abord, premièrement, parce que des Turcs s'installent dans cette région. C'est comme ça que la religion musulmane, bien sûr, arrive dans ces régions, avec parfois des conversions très importantes. C'est le cas, par exemple, de l'Albanie. Mais d'autres communautés se convertissent. Certes, il n'y avait pas obligation de se convertir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en grande partie, la plupart de ces populations restent chrétiennes. Mais par contre, des Turcs s'installent, les fonctionnaires, les militaires. Et puis, il va y avoir aussi d'autres phénomènes tout à fait intéressants. On va bouleverser l'emplacement des populations, donc des ethnies. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons souvent de défense, des raisons stratégiques. Il y a une frontière à défendre. Elle est ici, la frontière. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on va basculer, effectivement, des populations sur la frontière et vice-versa, côté autrichien. Par exemple, les Serbes ou Croates qui s'étaient réfugiés
du côté de l'Autriche vont être placés également en communauté sur les frontières. Voilà pourquoi vous avez au niveau de la Bosnie, de la Croatie et du nord de la Serbie une zone d'imbrication, je suis obligé de simplifier, très complexe effectivement, qui naît effectivement à cette époque, c'est-à-dire entre le 16e et le 18e siècle, pour des raisons, on l'a compris, de défense, pour des raisons stratégiques. Et c'est ce qui va bien sûr entraîner parfois des choses tout à fait étonnantes, une sorte même d'ironie de l'histoire, parce que par ces déplacements de population dus à l'avancée des Ottomans ou dus à des déplacements effectués par les Ottomans, eh bien on va avoir effectivement des déplacements qui vont correspondre à des déplacements hors de ce qui était le berceau géographique où se trouvaient ces peuples. Le cas le plus connu, c'est bien sûr le cas du Kosovo. Le Kosovo, territoire peuplé, vous le savez, en majorité par des Albanais, par des personnes qui sont donc musulmanes, ces gens-là, en fait, eh bien, ils sont sur le territoire qui était au Moyen-Âge, le berceau historique des Serbes. Et vous comprenez ensuite comment, en manipulant l'histoire dans le cadre de la guerre qui s'ensuit après effectivement l'implosion de la Yougoslavie, donc essentiellement dans les années 90 et 2000 pour le Kosovo, eh bien on a à ce moment-là l'utilisation ou la réutilisation effectivement de pages d'histoire qui vont servir éventuellement à définir eh bien des ambitions spécifiques, c'est-à-dire soit le refus d'accorder à tel ou tel peuple effectivement des droits particuliers, c'était le cas au moment justement où se délite cette Yougoslavie, et donc on va s'appuyer là-dessus bien entendu pour légitimer un certain nombre de conflits. Ces éléments sont importants, mais là encore, je ne suis pas persuadé que cela aurait suffi pour justifier et expliquer le drame qui va se produire à la fin du XXe siècle. En fait, il faut le dire clairement, le drame, il intervient principalement, et c'est là qu'on a ces vraies causes finalement, première cause, à mon avis, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman étant, on va dire, en détresse, l'homme malade de l'Europe, comme on l'appelait. Et à ce moment-là, apparaissent bien sûr des velléités indépendantistes chez tous ces peuples. Mais deux peuples, entre autres, vont très rapidement réussir à développer une indépendance au sein de l'Empire ottoman et ensuite à côté de l'Empire ottoman. Il y avait le Monténégro qui, c'est vrai, n'avait jamais été totalement soumis, il faut bien le dire, par les Ottomans, mais il y avait une sorte de modus vivendi, on va dire. Mais ce n'est pas le Monténégro qui va nous intéresser, c'est surtout la Serbie. La Serbie est le premier État, avant même la Grèce, à secouer le joug ottoman. Il fait une première tentative qui échoue entre 1804, on va dire, et 1813, et une deuxième en 1815-1817 qui fonctionne. Et à partir de ce moment-là, on a le début, effectivement, eh bien, d'une marche vers l'autonomie. Elle est assez longue parce que, effectivement, on passait par des stades d'autonomie, mais considérez que déjà dès cette époque, dès les années 1830, la Serbie constitue un État indépendant. Et parce que c'est le premier État de la future Yougoslavie à avoir été indépendant, il a une avance quelque part sur les autres, et donc il développe effectivement une dynamique qui est une dynamique effectivement de constitution, je ne dis pas encore d'une Yougoslavie, mais déjà d'une Serbie récupérant déjà l'ensemble des territoires serbes. Donc jusqu'en 1878, la première phase, c'est récupérer tous les territoires serbes. Ils vont y parvenir dans les grandes lignes. Et puis, on va arriver en 1912, les guerres balkaniques. Et à ce moment-là, effectivement, ces guerres qui sont remportées par la Serbie et ses alliés, donc il y avait dans l'affaire le Monténégro, la Bulgarie, la Grèce, contre ce qui restait de territoire ottoman, eh bien, permet de se servir joyeusement et ainsi la Serbie arrive au niveau de la Macédoine. À partir de ce moment-là, vous notez qu'au sein de la Serbie, vous n'avez plus un État mononational, excusez l'expression n'est pas très bonne, mais vous commencez à avoir déjà d'autres populations qui ne sont pas forcément serbes, ce qui donc nécessite de la part des Serbes, évidemment, d'avoir une politique qui soit éventuellement appropriée. Je dirais qu'à ce niveau-là, on est de toute façon la veille de la guerre 14-18, à ce niveau-là, les choses ne sont pas encore trop graves. Ce qui me semble plus important, c'est de signaler que pendant ce temps-là, il y a bien sûr des mouvements du même genre, en Croatie, par exemple, en Bosnie, mais ces territoires sont sous la coupe, à l'époque, de l'Autriche-Hongrie. Ils développent donc des logiques effectivement d'indépendance, mais qui ne se situent pas du tout dans la même perspective. Le grand projet à l'époque, je dirais, de yougoslavisme, il se situe par rapport à cet empire autrichien. L'idée, ce serait que puisque les Autrichiens ont accordé en 1867 aux Hongrois des droits
qui leur permettent d'être égal à égal, je simplifie, avec l'Autriche, il y aurait une troisième composante de cet empire plurinational qui serait la composante slave. Et donc cette composante slave serait le troisième élément, c'est cette position que semblait défendre l'archiduc François Ferdinand lorsqu'il est assassiné, comme vous savez, à Sarajevo en 1914. Et nous rentrons, vous l'avez compris à ce moment-là, dans le conflit. Le conflit, il est fondamental parce qu'il permet de passer à un palier supérieur. Pourquoi un palier supérieur ? Parce que dans ce conflit, dans cette guerre de 1914-1918, dans laquelle la Serbie joue un rôle important dans les deux premières années. Elle est obligée, elle est vaincue par les Autrichiens seulement en 1915, fin 1915. Mais après s'être battue courageusement, et même si elle évacue le territoire serbe, elle continuera à se battre dans les armées alliées. Ça veut dire que pendant et à la sortie de la guerre, c'est elle qui est le peuple martyr, c'est le peuple qui part vivant à mériter de créer, de fonder la Yougoslavie, le grand rêve que partageaient, je le répète, croates, bosniaques, serbes, mais pas de la même manière. La Serbie, à ce moment-là, devient effectivement l'élément qui va, d'une certaine manière, imposer sa vision. Et très vite, la vision, on la connaît. Dès 1918-19, les dés, on voit bien, sont pipés. L'idée, quand même, des Serbes, il faut le reconnaître, c'est d'établir une Yougoslavie dont la Serbie est l'élément principal, même si ce royaume s'appelle bien Royaume de Serbie, de Croatie et de Slovénie. Il s'appellera Yougoslavie qu'en 1929. Mais peu importe, on a déjà des problèmes. Jusqu'en 1929, je dirais que bon gré mal gré, les choses ne vont pas si mal. Il y a la rupture, l'assassinat entre autres du principal leader croate en 1928, et à ce moment-là, le durcissement effectivement de la politique serbe vis-à-vis des autres territoires yougoslaves. Donc on voit apparaître effectivement là déjà des tensions très fortes, des déceptions très fortes. À la fin des années 30, le régent Paul tente de radibocher tout ça, mais on arrive sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une page qui va, je dirais, être une nouvelle, un nouveau seuil, peut-être le dernier, faudrait-il dire, important dans le passif ou dans le pathos, c'est ça que vous voulez, qu'on va voir ressurgir au moment des conflits des années 90 et même peut-être déjà avant, bien sûr. C'est bien sûr ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. La Yougoslavie a été envahie en avril 1941 par l'Allemagne et l'Italie. Elle est divisée, je ne rentre pas dans les détails très complexes de la manière dont elle a été dépecée. On a donné des territoires aux Bulgares, aux Hongrois, aux Italiens, aux Allemands. Et il y a eu l'installation en Croatie, incluant la Bosnie-Herzégovine, d'un État qui s'appelle l'État indépendant de Croatie. Vous voyez, le gag un peu, parce que État, on met rarement État indépendant, parce que justement, il ne l'est pas du tout. Donc, ils ont été tellement sûrs qu'il ne l'était pas qu'il a fallu le mettre pour que ça passe quand même. L'État indépendant, dirigé par un personnage peu fréquentable, effectivement. Et à ce moment-là, vous avez effectivement la mise en place d'un régime, même s'il est minoritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas toute la population croate, Ante Pavelić, hein, c'est le nom de ce leader. Ante Pavelić n'est pas représentatif de l'ensemble de la population croate, mais il mène une politique fasciste, antisémite et, je dirais, anti-serbe, avec des massacres. L'année 41 est une année assez effroyable, assez épouvantable. On se bat encore sur les chiffres, mais on est sur des chiffres qui sont par disons très très important, on peut être à, alors là je ne reprends pas l'état, on peut être à 100 000, 200 000 morts, peu importe, mais c'est considérable. Et ces massacres, évidemment, sont des choses que les Serbes ne vont pas oublier. Là-dessus s'ajoutent des querelles entre les mouvements résistants qui vont compliquer beaucoup la situation effectivement au sein de ce territoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sortir de la guerre, les Croates passent pour des collabos, des gens qui ont collaboré avec les Allemands. Oui, il y a eu des collaborateurs, mais ce n'est pas, bien sûr, on est bien d'accord, toute la population qui a collaboré avec les Allemands. Mais c'est un élément qui est important, même si l'installation d'un régime communiste avec Tito en 1945 va quelque part gommer un peu ses aspérités, puisque le système communiste, qui est au moins un régime très autoritaire, impose quelque part, je dirais, une certaine règle, un certain comportement, d'autant plus que le système titiste a pour but de rétablir le système fédéral de meilleure manière que celui qui existait auparavant. Donc il reconnaît l'idée qu'il peut y avoir effectivement une vraie fédération, mais ce qui est faussé, bien sûr, c'est que cette fédération, elle est dirigée par un parti unique. Je rappelle que Tito était de père croate et de mère slovène, ce n'est pas un serbe. Alors après, vous avez compris que la crise, bon, Tito est mort en 80, la crise c'est les années 90, comment on arrive à cela? Bon, il y a bien sûr des problèmes autres, des problèmes économiques. Un nord, Slovénie, Croatie, plus riche que le sud et qui a plus envie de
payer forcément pour le site. Donc il y a des problèmes, je dirais, qui sont liés à des différences également de niveau de vie entre les deux parties, les deux, le nord et le sud de la Yougoslavie. Il y a bien sûr, dans ces conditions-là aussi, la montée à nouveau d'un sentiment pan-serbe dont la grande figure, vous savez, est Milosevic. On est à la fin des années 80 et c'est cela qui, bien sûr, est le point de départ, effectivement, d'une aggravation de la situation. Mais n'oublions pas qu'il y avait eu des mouvements déjà avant au Kosovo. Donc c'est pas sur un ciel d'azur qui explose ou qui éclate effectivement la Yougoslavie. Il y avait des tensions, mais il est vrai que l'attitude de Milosevic, de Slobodan Milosevic, a été un élément important pour expliquer comment toute cette espèce de millefeuille historique qui ne devait pas forcément conduire au départ, je le répète, à une guerre civile, va en effet aboutir à une impasse. Cette impasse, c'est bien sûr cette guerre civile et c'est donc l'implosion de la Yougoslavie dans ces états que vous voyez sur cette carte. Je m'excuse d'avoir été un petit peu rapide, mais bon, j'avais pas beaucoup de temps pour faire l'histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention en tout cas. Merci Thierry, j'espère que personne n'a pris de notes, n'a voulu prendre de notes, c'était un tour de force. Alors on va évidemment revenir sur l'actualité, c'est notre propos de ce soir, mais avant je voudrais demander à monsieur Krimali de peut-être de caractériser un petit peu les frontières d'aujourd'hui, avoir qu'est-ce que ça vous inspire et comment les expliquer avant de faire un bref aperçu de l'état de chaque nation qui la compose. Bonsoir d'abord, merci de m'accueillir ce soir pour cet éclairage sur les Balkans. Alors, les frontières aujourd'hui qui ne sont certes pas définitives, puisque les Balkans sont un territoire en mouvement, je dirais presque incessant, traduisent cet équilibre des forces à la suite des guerres de succession yougoslaves, j'utiliserai l'expression. Et pour revenir, je ne vais pas refaire l'histoire après Thierry de la Yougoslavie. Effectivement, l'histoire est fragmentée, les populations sont fragmentées, et la mémoire, la manière de raconter. Donc là, on a une approche de l'histoire de Yougoslavie depuis Belgrade, il y en a une depuis Zagreb, il y en a une depuis Sarajevo, depuis Pristina, depuis même Tirana ou Skopje en Macédoine. Il est très très difficile d'avoir une synthèse qui ne soit pas une approche unilatérale de cette question balkanique. Aujourd'hui, de cet éparpillement de ces cicatrices de l'histoire que sont ces nouvelles frontières, on doit obtenir un nouveau rassemblement. C'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est la perspective qui est offerte aux États des Balkans, c'est la perspective qui est proposée par Bruxelles, donc tout le monde s'entend là-dessus. Maintenant, le débat, c'est sur la manière de procéder, la manière de régler les comptes en termes historiques, bien sûr, avec le passé, donc solder les différends par le haut d'un projet commun. En sachant bien que dans les Balkans, il n'y a jamais de projet irénique à long terme. Et je vous invite, puisqu'on parlait de culture, je vous invite à lire Ivo Andrić, prix Nobel de littérature yougoslave, qui a écrit Le pont sur la Drina, donc un récit d'une population sur d'une petite ville de Bosnie sur 3 siècles. Et l'on comprendra que les apaisements d'aujourd'hui ne promettent en rien des lendemains de quiétude. Donc tout est toujours très provisoire, très fragile, ce qui n'empêche pas de s'engager avec toute l'énergie nécessaire pour un projet fédérateur dans les Balkans aujourd'hui. Merci. Alors c'est une question assez compliquée d'essayer de faire un état des lieux des Balkans, qui est, comme on l'a vu, une région, et comme on va le voir toute cette soirée, une région extrêmement hétérogène, tant au point de vue des situations politiques, économiques. Est-ce que malgré ça, en guise toujours d'introduction, on pourrait les passer en revue justement ces états des Balkans occidentaux et les caractériser très rapidement, ce qui permettra ensuite de détailler un petit peu les différents points qui nous intéressent? Oui, on commence... commencer par l'Albanie. Par l'Albanie. Non, l'Albanie était effectivement à l'extérieur parce qu'elle ne participait pas de l'espace yougoslave. Donc l'Albanie, c'est aussi une histoire singulière. On parlait
de l'arrivée des Slaves au 6e, 7e siècle, les Albanais seront, eux, héritiers d'une présence beaucoup plus ancienne, illyrienne, et certains la font remonter au Pélage, qui serait un des peuples originaires de l'Europe. Donc une présence très ancienne, qui s'est pérennisée grâce à un relief très accidenté. L'Albanie est un pays de montagne. En albanais, c'est le pays des aigles. L'altitude moyenne, c'est de 700 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est pour situer. La montagne, en ce sens-là, était protection. Ce qui a permis une résistance très, très longue à la conquête turque. D'ailleurs, l'Albanie succombe après les Serbes au décès, à la mort de Skenderbeg, qui est le héros national albanais et dont le blason d'ailleurs est le drapeau, figure le drapeau de l'Albanie aujourd'hui, c'est-à-dire l'aigle à deux têtes, donc un blason typiquement féodal. La longue présence ottomane a amené effectivement des conversions en masse à l'islam. Thierry l'a précisé, elles n'étaient pas contraintes, mais elles offraient des opportunités de carrière dans l'armée. Et comme les Albanais sont un peuple guerrier, il y a eu énormément de généraux, d'officiers qui ont servi dans les armées ottomanes sur tous les fronts. Ça permettait des dispenses d'impôts, voilà. Ce qui fait aussi comprendre que l'Albanie, malgré sa multiplicité religieuse, puisqu'on a des catholiques dans les montagnes du nord à proximité du Monténégro, des orthodoxes au sud, des musulmans séparés entre sunnites et bektachi, qui sont une tendance du chiisme, ont pu malgré tout sublimer cela dans un sentiment d'appartenance nationale commune. Et c'est ce qui distingue d'ailleurs l'Albanie de ce projet yougoslave qui n'a pas pu dépasser justement ces fractures religieuses essentiellement, malgré la langue commune, malgré l'origine ethnique commune. Alors l'Albanie, au sortir de la période ottomane, en l'occurrence 1912, c'est un État tout à fait fragile, auquel il manque absolument tout, depuis les routes, les infrastructures, les usines. Objet de convoitise entre les puissances du jour, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Serbie. Je passe rapidement. La Seconde Guerre mondiale voit arriver les communistes au pouvoir et donc une dictature totalitaire, une fermeture complète du pays. Et lors de la faillite du système communiste, parce que les causes, effectivement, les causes de cette fracture, de cette explosion des Balkans au début des années 90, je pense, doivent se trouver dans l'économie, et je reviendrai plus tard dans le cas yougoslave. C'est le chaos, c'est l'anarchie, ce sont les fameuses images de bateaux pleins de réfugiés à l'abordage des côtes italiennes dans l'espérance d'une vie meilleure, le déplacement vers la Grèce, c'est la criminalité organisée, c'est la corruption à tous les étages, et c'est un pays vraiment en faillite qui rêve de s'enrichir parce que le dénuement est absolu. Et cela débouche, et ça permet de comprendre aussi cette folie qui a pris l'Albanie en 1987 avec les fameuses pyramides où tout le monde pensait s'enrichir avec des taux de remboursement de 300% sur 3 mois, qui a vu partir en fumée, je ne dirais pas en fumée, ça aboutit dans quelques banques étrangères, 2 milliards de dollars d'épargne, de bétail vendu, de maisons vendues, vraiment une ivresse collective qui s'est achevée dans une frénésie d'autodestruction avec pillage des entrepôts, des armes qui vont notamment nourrir les partisans de Luceka au Kosovo. Et je reviendrai peut-être plus tard sur le rapport entre Kosovo et Albanie, puisque c'est la même population. L'Albanie, à sa naissance, est 28 000 km², donc c'est un pays très étroit qui laisse en dehors la moitié de la population albanaise, en dehors de ses frontières. L'Albanie aujourd'hui, depuis 1997 en tous les cas, connaît une alternance politique normale, c'est-à-dire que les gouvernements parviennent au bout de leur cycle de 4 ans de pouvoir, avec deux alternances qui sont passées sans trop d'encombre, malgré toute l'image négative qu'on peut avoir sur ce pays. Et donc l'Albanie fait partie de ces candidats à l'Union européenne, puisque, je l'avais rappelé tout à l'heure, la déclaration de Salonique en 2003 de l'Union européenne prescrivait que les États des Balkans ont vocation à rejoindre l'Union européenne.
L'Albanie a été recalée lors de, de son dernier examen par, par Bruxelles en décembre, donc elle n'a pas obtenu son statut de candidat, et il semble par plusieurs signaux que ce sera le cas lors d'un sommet au début juin. À Bruxelles, Stéphane Füle, qui est le commissaire à l'élargissement, se dit très optimiste dans une déclaration récente. Des progrès ont été faits sur les dossiers qui fâchent, des dossiers qui fâchent d'ailleurs dans tous les États des Balkans, puisque chaque État est confronté au même problème, c'est-à-dire la corruption, le mélange des intérêts privés et publics, la présence de la criminalité organisée, la liberté de la presse, le droit des minorités, et puis surtout transcrire dans la réalité les traités, les différents accords, lois qui sont signés avec enthousiasme par chaque État, mais qui se gardent bien ou qui négligent de les mettre en pratique. Donc voilà, ça c'est la perspective pour l'Albanie aujourd'hui. Je pense. Alors justement, on arrive déjà dans ces questions européennes qui nous intéressent également. Alors sur cette question européenne dans les Balkans occidentaux dont on parle ce soir, il y a des bons et des mauvais élèves. Les bons élèves, on pourrait presque considérer que l'Albanie en fait partie. Il y a quoi comme autres bons élèves et quels seraient ceux qui restent à la traîne? Alors, les États qui sont à la traîne aujourd'hui, c'est la Macédoine et puis la Bosnie-Herzégovine, pour des raisons assez différentes. Je commence peut-être par la Bosnie-Herzégovine, dont on a qui a fait la une de l'actualité ces dernières semaines, en tout cas en février, avec des mouvements de protestation sociale qui ont débouché sur ce spectaculaire incendie du siège du gouvernement à Sarajevo. Cette révolte est partie de Tuzla. Tuzla qui, lors de la guerre de Bosnie, était sociologiquement est une ville ouvrière et donc multiethnique, et qui était la ville qui s'est montrée la plus défiante par rapport au chant de sirènes nationalistes, et qui pour cela a payé le prix fort. Et donc il y a une sorte de déshérence sociale. Les enfants des ouvriers d'il y a 20 ans sont à l'âge adulte, n'ont aucune perspective d'emploi et ont commencé un mouvement de protestation qui s'est rapidement répandu. La particularité de la Bosnie aujourd'hui, c'est qu'elle fonctionne à l'identique de 1995, donc des accords de Dayton, qui avaient trouvé une formule avec Richard Holbrooke très alambiquée, permettant de stopper la guerre. Mais cette formule administrative, institutionnelle, précaire, évidemment, ne fonctionne pas pour relever les défis d'aujourd'hui, qui sont les défis de relancer l'économie à l'époque de la globalisation et de donner un débouché européen à la population bosniaque. Concrètement, la Bosnie, c'est une présidence, une triple présidence, croate, serbe et bosniaque, une fédération croato-musulmane, puisque les musulmans sont considérés comme nationalité, on dit aussi bosnien pour la population, pour les citoyens de Bosnie, mais musulman avec un M majuscule, c'est un des rares cas au monde où la religion définit une nationalité. Et puis la Republika Srpska, la République autonome serbe, qui a toute une autonomie de fonctionnement. Alors ces protestations sociales n'ont pas du tout touché, affecté la Republika Srpska, qui est très très connectée à Belgrade et qui menace régulièrement d'ailleurs d'organiser un référendum d'autodétermination et de ralliement à Belgrade, à la Serbie. Donc voilà les défis à l'heure du jour. C'est un maquis aussi de corruption à nouveau, de trafic d'êtres humains, de désespérance. Les traces de la guerre sont toujours visibles. Il y a une sorte de dépression collective dont on sort difficilement. Et toute une littérature bosniaque écrite par des écrivains installés qui aux États-Unis, qui au Canada,
Alfreda qui en Suède témoigne très fort de ces désespérances et d'une nostalgie, la Yougo-nostalgie dont on parle souvent, elle est vraiment très prégnante à Sarajevo principalement parce que c'était le cœur symbolique de ce modèle de Yougoslavie multiethnique. Et d'ailleurs, c'était en Bosnie que lors des recensements, on avait la possibilité de se dire croate, serbe ou yougoslave. C'est en Bosnie que le taux de yougoslave était le plus élevé de cet ancien espace politique. Donc voilà les difficultés de l'heure en Bosnie. Des élections anticipées sont prévues en octobre, mais le problème, c'est effectivement, c'est de revoir toute l'armature, toute l'architecture institutionnelle du pays. Et l'Europe est vraiment très très présente encore aujourd'hui, bordant de près les élites politiques par crainte d'un incident qui conduira à une sortie de route irrémédiable. Et je pense qu'aujourd'hui, sans dévoiler la situation des autres pays, la situation la plus compliquée, ça reste la Bosnie-Herzégovine. À tout point de vue, aussi bien dans la mémoire des plaies du passé, même s'il y a eu une reconnaissance de crimes de Srebrenica, c'est reconnu d'ailleurs comme génocide par le tribunal de La Haye. Il y a cette mémoire à vif, c'est 200 000 morts, c'est beaucoup de victimes dont on ne trouve toujours pas les corps. C'est une fuite d'une partie de la population désespérée dans un islam radical qui ne correspond pas du tout à la tradition d'ailleurs balkanique, laïque. Et puis c'est cette fragmentation, les populations ne vivent pas ensemble, ne cohabitent pas ensemble, mais se tournent le dos dans un espace qui leur a assigné. Donc vous voyez toute la difficulté de l'exercice. Alors quant à la Macédoine, comme j'en parlais à Ulrich, c'est plutôt l'instabilité politique qui fait problème. La Macédoine, donc créée en 1993, a eu toutes les peines du monde d'ailleurs à s'imposer un nom. D'ailleurs, elle est reconnue comme Fyrom, ancienne république yougoslave de Macédoine, la Grèce revendiquant le monopole du nom. Ça fait partie d'ailleurs dans les Balkans des batailles des symboles, des mémoires, de l'appropriation de personnages historiques, en l'occurrence Alexandre le Grand et le soleil de Vergina qui était son emblème, qui est le drapeau de la Macédoine aujourd'hui, que la Grèce revendique. Alexandre le Grand, que les Albanais revendiquent à leur tour, étant d'ascendance illyrienne, né en Albanie, voilà, selon deux capitales. Donc, c'est d'ailleurs Skanderbeg, c'est Alexandre, c'est le seigneur Alexandre. Voilà, il y a toutes ces batailles de mémoire. Je ne vais pas revenir sur 1389, la fameuse bataille du Kosovo, du champ des Merles, où le prince Lazare meurt en même temps que l'empereur turc. Voilà, c'est une mémoire qui sera vue différemment parce que c'est une coalition. Le problème avec l'histoire, effectivement, c'est qu'elle répond à des préoccupations d'aujourd'hui et souvent elle est anachronique dans la vision du passé. Et 1389, c'est d'abord des seigneurs féodaux qui ont leurs troupes, chacun parlant leur langue. Et effectivement, ce n'est pas des États-nations, évidemment, ce serait commettre un immense anachronisme. Mais c'est la réécriture de cette bataille médiévale pour les usages de... Les usages privatifs des États-nations en construction qui en font justement ce point d'incandescence aujourd'hui, alors que ce ne fut qu'une date parmi d'autres lors de la conquête ottomane. Alors, je reviens à cette Macédoine, c'est 20 000 km², 2 200 000 habitants, la capitale Skopje. Le tiers occidental est peuplé d'Albanais, donc en continuité avec l'Albanie voisine. Skopje étant partagé par le Vardar, donc le fleuve qui partage la ville en deux, d'un côté la ville des Albanais, de l'autre les Macédoniens. Alors la particularité de ces Albanais de Macédoine, c'est un islam, malgré une revendication nationale très forte, un islam plutôt virulent, très en connexion, très à l'heure turque en fait. Et cela pourquoi ? Parce que dans l'histoire yougoslave, puisque les Albanais de cette région ont été appropriés par cet État yougoslave, ils ont été laissés à eux-mêmes, et même plutôt de façon à éviter des protestations de type national, on a encouragé les pratiques cultuelles et religieuses.
Voilà, c'est une société très, très conservatrice, je dirais même réactionnaire à certains égards, et c'est toujours un effarement du côté vu de Tirana, le comportement culturel. Donc on peut être, c'est là qu'on voit que les États, les structures politiques peuvent être condensateurs de comportements complètement différents, et cela à peindre sur une échelle d'une petite centaine d'années. Alors que c'est la même population, c'était d'ailleurs des migrations d'une ville à l'autre selon l'espace ottoman qui impliquait des déplacements d'est en ouest, d'ouest en est plutôt que du nord au sud comme on les voit aujourd'hui. Difficulté pour les Albanais à faire valoir leurs droits. Il y a eu des révoltes, des protestations même militaires en 2001 qui sont conclues sur les accords d'Ohrid qui donnent aux Albanais une représentation plus équilibrée dans les instances de pouvoir, et notamment la composition du gouvernement implique un parti macédonien et un parti albanais. Et depuis 2007, c'est le parti albanais qui arrive en tête qui compose la coalition, parce qu'il y avait des accords en sous-main, à nouveau avec des ambitions politiques très... Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails byzantins, mais donc c'est le premier parti en termes de voix albanais qui fait une coalition avec le EVMRO, en l'occurrence, donc le parti révolutionnaire intérieur macédonien, qui est un parti historique en Macédoine. Double culture, difficulté de créer un État qui a une seule aspiration. Là, donc la subsumation, évidemment, c'est à nouveau l'Europe, mais question de corruption, liberté de la presse, instrumentalisation de l'État comme rente de pouvoir. Et donc très très forte instabilité qui ne correspond pas aux attentes nécessairement de la population, mais à des jeux privatifs entre les partis. Voilà. Donc la Macédoine à l'heure actuelle n'est pas prêt de accepter sa candidature à l'Union européenne. Il y a un autre pays où le poids du passé est particulièrement prégnant, même si on arrive à dépasser un petit peu le nationalisme ces idées qui étaient très dynamiques à un moment, c'est évidemment la Serbie. Alors la Serbie, c'est le cœur de l'affaire. Non, le cœur de l'affaire, pourquoi ? Parce qu'effectivement, Thierry, c'est très intéressant parce que c'est une histoire qui a diffusé, qui a essaimé en Europe. La Yougoslavie et la Serbie sont associées d'une certaine façon parce que malgré le fait que le projet était porté d'un côté par les Croates et de l'autre l'évêque Strossmayer au XIXe siècle et de l'autre par les Serbes y voyaient une manière clairement impériale, c'était le Piémont des Slaves du Sud, puisqu'on faisait une référence à l'unification italienne à partir du Piémont. Et donc, et pour la Serbie se posait à petite échelle la même question que la Russie, c'est l'accès à la mer. On sait que l'Adriatique a été longtemps un lac vénitien avec ses échelles jusqu'à la disparition au début de la période napoléonienne. Et donc, cette Adriatique, elle est convoitée de tous côtés, et particulièrement par la Serbie, qui veut s'industrialiser à toute force. Je rappelle que la première métallurgie dans les Balkans, c'est en Serbie, et directement, on va s'adresser à Kokril, donc à Liège, première métallurgie sur le continent. D'ailleurs, ça permet d'évoquer une anecdote, comment les mots se baladent d'un espace géographique à l'autre. La pomme de terre en wallon, c'est le krompir, et la pomme de terre en serbe croate aujourd'hui, c'est krompir. Et donc, c'était les ouvriers wallons qui étaient amenés sur place parce que leur savoir-faire technique ne pouvait pas être remplacé, qui se fournissaient auprès des paysans du coin en demandant les pommes de terre, donc les krompir. Donc voilà, un terme wallon dans la langue slave locale. Et donc, désir d'industrialisation, mais c'est une société essentiellement paysanne, nécessité d'accès aux mers. Je lisais dans un journal belge la semaine dernière un coup de revolver qui fit des millions de morts. Je vous rappelle que la cause de la Première Guerre mondiale, c'est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe. Donc,
on revient à nouveau sur le titre de la rencontre, les démons balkaniques. Les démons balkaniques ont débouché sur la Première Guerre mondiale et en forçant peut-être le trait aussi sur la Seconde, puisqu'on sait qu'il n'était pas dans l'intention d'Hitler de se porter vers les Balkans, mais c'est plutôt de venir à la rescousse de Mussolini qui s'était empêtré en Grèce en voulant imiter son modèle. Voilà, je ferme la parenthèse, mais la Yougoslavie, dans la mémoire des autres peuples yougoslaves, c'est la Serbie. C'est très clair avec le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Ce l'est moins en apparence après la Seconde Guerre mondiale, avec cette fédération communiste, c'est-à-dire un idéal commun, fraternité, égalité. C'était la devise titiste, égalité, fraternité. Nous sommes des peuples frères, nous sommes tous égaux. Le problème, c'est que dans les organes de force, dans l'armée, dans les forces spéciales, tout le haut commandement était à très grande majorité serbe. Les organes de force étaient contrôlés par les Serbes. Et puis, la difficulté d'harmoniser les régions. On parlait de l'Italie. Aujourd'hui, le différentiel entre le nord et le sud, entre la Lombardie et la Calabre, est de 1 à 2. Donc pour un salaire moyen de 2000 euros dans le nord de l'Italie, on a 1000 euros. À la fin de la Yougoslavie, le rapport était de 1 à 6 entre le Kosovo et la Slovénie. Donc ce n'était plus tenable. La Slovénie exportait plus vers ses voisines, la Carinthie et même la Bavière, avec des électroménagers de très très haute qualité, plutôt que vers le sud du pays. Et donc c'était un même mouvement, sauf que la Ligue des communistes yougoslaves cachait plus ou moins les tensions sous les apparences d'un monolithisme, d'un monopartisme, mais il y avait des tensions très fortes, une sorte d'égoïsme de riches, comme on le constate à nouveau dans le cas de la Ligue Lombarde. Les Slovènes ne voulaient plus payer à la caisse centrale de Belgrade, qu'on soupçonnait d'ailleurs de garder l'essentiel des ressources pour elle et de ne plus cotiser pour le Sud qui ne parvenait pas à décoller, où se retrouvait d'ailleurs l'essentiel des ressources minérales. Donc la Serbie a subi le départ de la Slovénie. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui avaient suivi l'actualité à l'époque, la Serbie avait essayé initialement de reprendre la main et puis avait très vite renoncé au bout de quelques jours. Pourquoi ? Parce que la Slovénie n'avait pas de frontière interne, n'avait pas de frontière directe avec la Serbie, et puis surtout parce qu'il n'y avait pas de minorité serbe significative. Le gros morceau, c'était la Croatie, avec cette fameuse Krajina dont Thierry a expliqué l'origine. C'était d'une certaine façon les Cosaques de l'Autriche-Hongrie chargés de défendre la ligne frontière. C'était des guerriers qui se postaient de l'autre. Ils étaient libres, ils étaient dispensés de toute une série de charges, mais à condition de protéger les frontières de la poussée ottomane. Et donc ils sont restés sur place, et c'était quelques centaines de milliers d'habitants que la Serbie se faisait un devoir, une obligation de défendre. Et donc lorsque la Croatie a déclaré son indépendance, elle déclarait implicitement la guerre ouverte avec la Serbie. La Bosnie, ce fut pareil. Et donc la petite Yougoslavie qui en est résultée, je m'attarde sur la question parce qu'il faut peut-être faire sauter ce mythe d'une Yougoslavie, même si elle a fonctionné, parce qu'un mythe a une base, tout mythe a une base réelle, mais c'était l'idéal yougoslave a porté des intérêts d'expansion serbe comme on ne peut pas le retrouver dans d'autres nationalités. Donc la Yougoslavie résiduelle, c'était Serbie, Monténégro et dans la Serbie, le Kosovo. Je relèverai par ailleurs que la constitution yougoslave à l'époque de Tito autorisait les entités fédérées à faire sécession, ce qui n'était pas le cas des provinces autonomes, mais la Slovénie avait le droit constitutionnellement de faire sécession.
Voilà. Et donc, en 99, on se retrouve à une Yougoslavie à petite échelle avec le Kosovo. Le Kosovo où il y a une différenciation. Donc, c'était la terminologie de l'époque. Donc, les Albanais étaient chassés des mines, étaient chassés des écoles dans le sens où l'enseignement était exclusivement en serbe. Donc, il y avait des écoles clandestines qui étaient organisées. La résistance pacifique prônée par le président Rugova commençait à lasser. Et il y a eu de plus en plus d'opérations armées menées par Luceka, qui était un rassemblement de différents partis à l'origine marxiste-léniniste, pro-albanais de Enver Hoxha, et qui très vite seront en phase avec les ambitions occidentales, en tous les cas américaines dans la région, et donc trouveront le soutien des Américains. Je le dis régulièrement, les Albanais du Kosovo ont profité d'une très très petite ouverture d'une fenêtre géopolitique qui s'est tout de suite refermée sur eux. Je pense que quelques années plus tard, à l'époque de Bush, ça n'aurait pas été possible. Et donc effectivement, c'est une divine surprise. Les États-Unis interviennent pour relâcher l'empreinte de Milosevic sur le Kosovo, et on se retrouve avec une Yougoslavie encore plus réduite, c'est Serbie et Monténégro. Et en 2006, le Monténégro se lasse de la Serbie pour toute une série de raisons. Elle vote par référendum son indépendance, et la Serbie ne peut plus revendiquer cette feuille de vigne yougoslave, doit se reconnaître en tant qu'État serbe, sauf qu'elle a toujours revendiqué l'héritage des institutions diplomatiques, des sièges diplomatiques comme héritière de la Yougoslavie. Donc c'était la seule héritière en termes de biens fonciers à l'extérieur et donc notamment les dettes lui retombent, enfin il y a un pourcentage maintenant de distribution. Et donc cette Serbie a été commotionnée d'abord par cette ivresse nationaliste, hein, comme dans toute ivresse, la gueule de bois est violente. L'homme ne vit pas simplement de discours d'exaltation, il a besoin de travailler, de mener une vie régulière, et c'est pareil pour les peuples. Donc il y a eu cette gueule de bois, il y a eu la conscience de la tragédie, puisque à l'initial il fallait conserver la Yougoslavie et on se retrouve totalement démunis. Il a fallu quelques années pour se remettre dans une perspective, avec le ressentiment sur les États-Unis, l'attente du grand frère russe, orthodoxe, protecteur, qui à différents égards s'avère un leurre, et je reviendrai dans le cas de l'Ukraine, je pense que ce sera le chapitre ultérieur. Mais la Serbie s'est résolument tournée vers l'Europe, et surtout, et comme dans tous les États des Balkans, la jeune génération, dont l'horizon est clairement européen, dans le sens un espace ouvert, un espace de communication, un espace où les différences culturelles sont un enrichissement, un espace où on veut casser les cloisonnements balkaniques, la pesanteur des mémoires. Je reprendrai un mot de Churchill qui résume très très bien cette tragédie des Balkans. Les Balkans produisent plus d'histoires qu'ils ne peuvent en digérer. Ils ne peuvent en digérer. Pourquoi ? Parce que c'est des États petits, c'est des États fragiles, et c'est des États qui souffrent d'hypermnésie, qui se souviennent des massacres. Combien de fois, je ne sais pas si des gens sont originaires des Balkans, madame, ou d'autres y ont vécu, on vous parle au café entre le dernier match de foot de massacres qui ont pu avoir lieu au 19e siècle à tel endroit, avec telle personne. On peut chanter, c'est terrible cette mémoire dont on n'a pas souvenir ici, où la mémoire commence d'un individu, et c'est l'histoire, c'est la lecture, c'est les études qui font reconnaître. Voilà, c'est cette mémoire vive, c'est ces plaies ouvertes avec lesquelles on doit composer dans l'ensemble des Balkans. Et donc en Serbie, la grosse hypothèque à lever, c'était effectivement de peuple coupable, perçu, représenté comme tel à l'échelle de l'Europe, à l'exception de l'un ou l'autre, d'une autre société. Il fallait lever cette hypothèse de peuple coupable de crimes abominables du massacre de Srebrenica. Pour adhérer à l'Europe, c'est pas simplement adhérer à un espace, c'est pas simplement une question géographique. C'est vrai que les Balkans sont au cœur, d'une certaine façon, de l'Europe. C'est prôner des idées de paix, de réconciliation, de futur partagé. Et le grand pas, et en tout cas ce qui a débloqué
toute la question pour le Kosovo. C'est l'accord de Bruxelles d'avril 2013 entre les autorités serbes et du Kosovo, qui entre-temps s'était déclaré indépendant en 2008, pour toute une série de facilités administratives de fonctionnement entre les États, même si la Serbie continue à ne pas reconnaître le Kosovo, au sens de sa candidature. Donc, après l'entrée de la Croatie l'an dernier dans l'Union européenne, et qui forme le 28e État, est désormais officiellement candidate, mais c'est donc c'est digérer tout le programme habituel. C'est une métabolisation qui prendra sans doute une dizaine d'années avant l'acceptation, s'il n'y a pas l'aiguillon des opinions publiques qui sont très réfractaires aux agrandissements et qui ne comprennent pas qu'on intégrerait cet espace de barbarie, de sang, de violence. Enfin voilà à quoi se résument souvent les Balkans. Et puis nous avons le Kosovo qui essaye de construire un état de droit avec l'aide de la mission européenne EULEX, donc l'émission européenne pour la construction d'un état de droit au Kosovo, qui va vers des élections anticipées au mois de juin pour une révision de la constitution, et notamment pour revoir les règles d'attribution des sièges dévolus aux minorités nationales. Voilà. Alors ce que je constate partout, c'est a dû nécessairement à une grande différence sur les programmes, parce que c'est une politique très clientélaire, mais ça montre l'instabilité des structures où le pouvoir réside plutôt dans les partis que dans les structures d'État. Et le pouvoir, c'est-à-dire les ressources, l'attribution des ressources aux clientèles respectives des uns et des autres. Et ça, c'est partout dans les États des Balkans ? C'est partout dans les États des Balkans, sauf exception tout à fait en Albanie. Au départ, l'Albanie était le plus anarchique, je veux dire. Donc voilà, c'est un indice parmi d'autres. Hein. Maintenant, c'est pas des élections régulières qui font régulières en temporalité. D'ailleurs, je souligne à charge de la Macédoine, la mission des observateurs de l'OSCE sur les élections qui ont eu lieu au mois d'avril, à la fois législatives et présidentielles, ont été jugées très irrégulières, voilà, en grande partie, même s'il n'y a pas de menaces physiques, mais la captation des médias, voilà, des votes qui se perdent et d'autres. On est encore dans élections à l'européenne. Alors dans la suite de votre propos, là aussi c'est compliqué parce que les Balkans sont une région, on l'a dit, hétérogène et les situations sont très aussi. Si on voulait caractériser un petit peu les politiques actuelles des Balkans. Alors, sur les élites politiques, donc tout au long des années 90 et 90, les élites politiques étaient sorties du sérail communiste. Donc, dans l'État d'Asie centrale, on s'est vite mis à l'air du temps. On s'est converti à la démocratie, mais ça seulement dans le verbe, la pratique était conditionnée. Et on ne peut pas leur en faire reproche, hein, puisque formaté... Et je pense essentiellement au cas de l'Albanie, dans un État totalitaire où aucune dissidence n'était même envisageable. Voilà, le personnel politique tel qu'il est produit, tel qu'il sera à l'œuvre dans les années 90, est directement héritière du moule communiste. Il n'y a pas eu d'illustration. Il n'y a pas eu d'illustration, que je sache, non. Non, et ça fait partie de la mauvaise mémoire une bonne mémoire et une mémoire à jeter, c'est une mémoire des Balkans. Milosevic, par exemple, dans le cas serbe, de ce que j'ai pu lire, entendre dans les biographies qui lui ont été consacrées, on se rend compte qu'il y a un dépit. Il y a un dépit vis-à-vis de Milosevic, dans le sens où les populations se sont senties trahies par rapport à ses promesses. C'est-à-dire toutes les guerres qu'il nous a promises victorieuses, finalement, on a échoué. Et donc le principal reproche à Milosevic, c'est l'échec, c'est la défaite. Ce n'est pas le programme qu'il a porté. Vous voyez toute l'ambiguïté qu'il y a c'est pas Bosnie-Herzégovine, parce que, je veux dire, là, on assiste à une dynastie familiale avec
d'Alia Izetbegovic qui a repris le parti du droit, qui se présentait comme un musulman tolérant, et finalement le fils se montre bien plus radical dans l'expression de l'islam. Alors il y a des heureuses surprises. Milo Djukanovic, donc au Monténégro, la petite principauté du Monténégro, on a oublié de l'évoquer tout à l'heure, c'est un peu, comme le disait Thierry, c'est Rix dans les Balkans, c'est le village le mieux résisté, c'est la montagne noire, donc inaccessible, avec une certaine autonomie qui était accordée, on ne regarde pas vos affaires, laissez-nous tranquilles, c'était un peu un modus vivendi entre les deux. Donc Milo Djukanovic est au pouvoir depuis 24 ans, premier ministre et président de la République. Monténégro, c'est 600 000 habitants. C'est la zone côtière bétonnée par les magnats russes, et une corruption phénoménale qui retarde d'ailleurs la candidature et à l'Europe et à l'OTAN, puisque tout nouvellement, et ça sous les guillons de la question ukrainienne, le Monténégro se voue désormais à adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors à côté de ça, j'ai dit des choses plus réjouissantes. La première présidente féminine au Kosovo, Atife Diayaga, dans une société d'un héritage patriarcal assez prégnant. Différents maires féminins issus du dernier scrutin municipal en décembre 2013 au Kosovo. Et puis, une génération qui se lève, mais plutôt de la société civile, et c'est très important dans les Balkans, c'est un phénomène qu'on constate très souvent, c'est la société civile, donc des associations non gouvernementales, des rassemblements spontanés sur des questions soit d'écologie, mais l'écologie elle a une application très lourde dans les Balkans, comme pour le reste, c'est des pollutions massives, hein. C'est pas simplement la protection d'espèces en voie de disparition. Et dans ce foisonnement associatif émergent des filles à exercer un rôle politique à l'avenir. Alors, merci. Également sur le voisinage un petit peu de ces États, comment voisinent-ils aujourd'hui cette Serbie, cette Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et le Kosovo, par exemple? Est-ce qu'il y a encore là aussi, parce qu'on a vu, hein, et c'est assez significatif, dans chaque réponse aux questions posées, il y a eu une référence nette au passé, hein, qui est assez symptomatique sur d'autres aires géographiques qu'on évoque parfois, c'est très différent. Alors comment, à la lumière de ce passé-là, voisinent ces nouveaux États? Alors d'abord, une petite incise, on sait que la guerre, les grandes guerres entre nations profitent aux marchands de canons. Les guerres de dislocation yougoslave, d'anarchie en Albanie et de libération au Kosovo, ont beaucoup profité aux mafias. C'est bien, par des différences de langue, de religion. Voilà, les réseaux criminels dans les Balkans ont d'emblée coopéré entre elles, malgré leurs différends. Et Arkan, par exemple, qui est une des figures de la criminalité nationaliste en Serbie, avait un relais parmi la mafia albanaise. Pareil, la mafia croate avec la mafia serbe. Donc voilà, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'inverser ce signe négatif en un signe positif. Donc effectivement, une acculturation, une écoute de l'autre. Actuellement, c'est par le côté le plus vulgaire de la place, je dirais. Vous savez que dans les Balkans, il y a une mode de la musique turbo. Donc c'est tous les airs traditionnels qui sont des volumes. Et donc il y a une pour voilà, en Albanie pour les chanteuses serbes, en Serbie pour les chanteurs bulgares, la Macédoine produit chaque année de nouvelles stars pour jeunes, mais toujours cette musique balkanique aux amphétamines. Et donc voilà, c'est un espace, une référence musicale commune. Les gens essayent de se découvrir par-delà, il y a une connaissance très intime malgré tout de l'autre, simplement c'est la défiance qui prédomine souvent. Dans le cas albanais,
C'est plus particulier puisqu'on fait le reproche on soupçonne plutôt le projet de Grande Albanie. Et d'ailleurs, l'adhésion à l'Union européenne viderait ce projet de Sultan. Donc il y a un réel espace pan-albanais de manière culturelle. Après, des grands publics, d'humour, qui concernent en fait toute l'ère de peuplement, aussi bien l'Albanie, le Kosovo que la Macédoine, mettant comme protagoniste tel personnage de la ville du sud de l'Albanie, tel personnage de Macédoine, et voilà. Et c'est un succès d'audience phénoménal au-delà des frontières, mais ça crée un imaginaire également commun. Quant aux relations diplomatiques, je veux dire, les dirigeants se tiennent par la barbichette, puisque tout le monde est sous la surveillance très étroite de l'Europe. Et à ce propos, j'aime rappeler, parce que j'ai beaucoup apprécié le propos du Premier ministre albanais à TV5 Europe il y a trois jours, lorsqu'on lui demandait, voilà, quand les Balkans sont piternels et les démons des Balkans. Il a dit, vous savez qu'en 2014, a répondu en 2014, c'est la première année où on n'a pas brandi le fusil dans des affrontements, même localisés et interethniques. Le voisin n'a pas menacé l'autre voisin. Et ce n'est pas parce que soudainement les populations des Balkans sont devenues des anges, j'ajouterais, ont été touchées par la grâce, mais c'est parce que la manipulation de l'Europe est tellement puissante et le contrôle sur l'Europe. Il faut bien savoir que dans tout ce que je vous raconte, c'est une présence. De mise en délégation, un suivi, un monitoring, pour poser cet horriblicisme constant de progrès, des retards. C'est une autre manière, c'est une autre pédagogie qui est enseignée aux élites politiques, aussi aux représentants de la société civile, et qui fait que voilà, les dirigeants ne peuvent plus contrôler leur langage. C'est plutôt à l'intérieur, effectivement, pour des mais entre parties. Mais ça ne prête pas conséquence à mon. Sauf la question bosniaque, parce que je la trouve irrésolue, et une question irrésolue, ben, elle pourrit, et on ne sait jamais ce qui sort des pourritures. Voilà. Alors sur la question de l'Europe, il y a eu un élément nouveau ces derniers mois, c'est la libéralisation des visas. Hein. Les nombreux citoyens des Balkans peuvent désormais voilà, voyager en Europe sans demander à obtenir. Est-ce que ça a vraiment une incidence sur place? C'est une très grosse bouffée d'oxygène. C'était attendu et ça concerne en premier lieu la jeune génération, ça concerne les familles, puisque un des autres héritages des guerres yougoslaves et du chaos économique en Albanie, j'associe les deux parce que pour moi c'est une seule réalité, même si c'était deux États distincts, c'est l'exode, la diaspora, c'est des millions de personnes déplacées, contraintes à vivre à l'étranger, et qui pour certaines, dans des conditions précaires, ont immigré, souvent sont restées clandestines ou sont allées avec des titres de séjour provisoires. Et donc ça a permis à des familles de se retrouver, ça a permis aux jeunes d'avoir une fenêtre sur l'Europe, de la vivre au-delà, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté écran télévisé, de nouer d'autres contacts. Non, ce fut essentiel. D'ailleurs, pour certains pays, c'était d'ailleurs un pas intermédiaire avant la candidature, c'est-à-dire voir comment allait se comporter cette population. Je ne vais pas dire se comporter, ce n'est pas les barbares qui descendaient sur la ville, mais est-ce qu'on allait respecter les conditions de la libération des visas? La libération des visas, c'est quoi concrètement? Parce qu'on parle toujours, voilà, le terme, c'est il n'y a plus de dossier de demande de visa introduit auprès d'une ambassade d'un pays membre d'une guerre. Autorisation avec un titre de voyage aller-retour de séjourner 3 mois maximum dans un des États adhérents signataires de Schengen dans un délai de 180 jours. Donc voilà, ça peut être 3 mois en une fois ou en 3 séquences différentes. Mais c'est très très important, je veux dire, pour la jeunesse, parce que ça permet de rester déjà européen, de ne pas correspondre, parce qu'une requête de visa, c'est énormément de documents, des garanties de toutes sortes, une série de papiers. Et donc, la libération des visas est accordée pour la Macédoine, pour l'Albanie, pour la Serbie.
Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit le pragmatisme à l'œuvre. Les Albanais du Kosovo et les minorités tziganes retrouvent leur passeport serbe. Parce que la réalisation des visas accordés au Kosovo, ils ont encore un passeport serbe, puisque là, c'est contraint de reconnaître ce passeport, puisqu'elle dit que le Kosovo n'est pas un État indépendant, c'est une présence. Et donc voilà, ça fait partie des bricolages dont les Balkans ont la spécialité pour circuler plus librement. Et autre anecdote, d'ailleurs, quand je disais, c'était un test pour l'Europe. La libération des visas a été accordée en 2011, en novembre 2011, pour la Serbie, la Macédoine et l'Albanie. Donc, il y a eu une préparation très longue pour expliquer de manière très didactique comment il fallait procéder. Et dès les deux, trois premiers mois, on a constaté un afflux de candidats à l'asile politique à Bruxelles, mais des centaines de personnes. Et en fait, c'était des agences de voyage en Macédoine qui avaient profité de l'aubaine pour vendre des tickets 20 euros je ne connais pas l'équivalent en français, l'Office des étrangers, en fait. Voilà, pour introduire une demande d'asile. Et il a fallu un voyage express du ministre des Affaires intérieures belge en Macédoine pour expliquer que ça ne fonctionnait pas ainsi. D'autres messages publicitaires avec la menace de rétablir les visas. Et donc ça, c'est la menace ultime qui fait que tout le monde se tient en haut dans ce cas-là. Mais c'est une préparation très utile. C'est par package, je dirais. Alors, ça fait juste une dernière question avant d'écouter quelques minutes Natacha Filipovic qu'on va retrouver par Skype. Une question sur l'actualité. Comment dans les Balkans on réagit face à la nouvelle réalité géopolitique qui est en train de se dessiner suite aux événements d'Ukraine? Vous avez beaucoup parlé d'histoire. L'histoire, c'est aussi le prisme russe de la Serbie. Voilà, on réagit face à ces événements dans les Balkans. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, la situation en Ukraine, il y a d'abord les faits, puis il y a la perception de ces faits, et puis il y a l'interprétation, l'utilisation de ces faits par les gouvernements respectifs. Bon, les faits sont tels qu'ils sont, on ne va pas débattre là-dessus. La perception, c'est qu'effectivement, pour selon les affinités traditionnelles, ça peut constituer une menace ou non. J'avais évoqué le Monténégro, aiguillonné ou prétextant la nouvelle situation en Ukraine. Milo Djukanovic, donc le président de Monténégro, a expressément fait candidature pour l'adhésion de Monténégro à l'OTAN. Nouveau suspendu à l'hypothèque de différentes questions. La Serbie, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a culturelle, politique, religieuse avec Moscou, et en même temps la Serbie est vraiment engagée dans un processus de candidature à l'adhésion. Et comme je le disais précédemment, l'adhésion, c'est pas une adhésion à un ensemble étatique supranational déterminé par une localisation géographique. Ce sont des valeurs, c'est un projet communautaire, c'est un abandon de souveraineté sur certaines parties, c'est un renoncement commun à des pans de l'histoire douloureux, c'est un travail de mémoire. Et donc, voilà, la sympathie pour l'action de la Russie ne peut pas se dire de manière trop élevée, au risque de passer pour schizophrène et de nier d'un côté ce qui est prétendu de l'autre. Et puis, dans l'affaire, on a la Serbie qui refuse la déclaration d'indépendance du Kosovo et Poutine de l'autre côté qui met en parallèle l'avance de la Crimée, c'est un peu comme l'avance du Kosovo. Donc l'indépendance de la Crimée qui est un premier pas vers l'annexion. Donc voilà, il y a cette instrumentalisation des situations géopolitiques qui sont très différentes par leur histoire. Ça fait débat en Serbie. Ça fait débat sur la question de le processus d'adhésion à l'Union européenne. Et la Serbie ne peut pas y échapper parce qu'à nouveau, elle se retrouverait une île,
un avant-poste de la Russie dans la région, et peut-être plus intelligemment, certains prônent d'ailleurs une position plus ferme de la Serbie par rapport à Belgrade même, par rapport à Moscou, de manière à être un ami. On demande à un ami de dire les vérités et non pas de plier les chines à chaque fois. Donc voilà, en ce sens-là, ce sont les incidences premières qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle de l'affaire ukrainienne. Eh bien, merci, Safed, pour tous les éléments de réponse. Hein. Évidemment, on est obligé de balayer une situation qui, vous l'aurez compris, est assez complexe. On va poser une question à Safed et Thierry, mais avant, on va retrouver en ligne une étudiante donc serbe de Bosnie qui nous fait le plaisir d'accepter de répondre à quelques questions et qui va permettre de faire un focus sur la Bosnie qui est un petit peu, comme on l'a dit, la question compliquée de cette région des Balkans qu'on évoque ce soir. C'est bon, on est connecté ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci donc d'accepter de répondre à nos questions. En plus, je sais que vous êtes à Sciences Po en pleine période d'examen, donc on ne va pas abuser de votre temps. Alors, on a essayé de faire un état des lieux de la situation des Balkans, et on a noté le cas de la Bosnie, hein, qui est un petit peu le cas compliqué dans les Balkans. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre lecture de la situation de votre pays qui a connu notamment une flambée des manifestations assez violentes il y a quelques mois? Est-ce que vous pouvez juste parce que vous m'avez entendu? Oui. Laetitia, tu veux bien répéter la question? Elle entendra mieux, je pense. Oui, la question était d'avoir votre lecture de la situation de la Bosnie qui on l'a vu dans notre état des lieux est un petit peu considéré comme l'homme malade de l'Europe, un pays où les difficultés sont particulièrement prégnantes. Pas concernant les manifestations qui ont eu lieu en février cette année, selon moi, c'était une bonne chose, mais c'est la première fois que le peuple a s'est mis contre le pouvoir. À cause, parce que vraiment la Bosnie est dans une crise surtout politique, sociale, économique. Et donc, selon moi, la violence, c'est la dernière chose qu'il fallait faire. Mais en fait, protester contre tout ce qui se passe ici, c'était en fait un bon pas, selon moi. Alors ça fait, on l'a vu, ça fait très longtemps que cette crise en Bosnie perdure, cette crise, vous l'avez rappelé, politique, sociale et économique. Et comment s'explique, d'après vous, le fait qu'en Bosnie, on ait plus, il semble, plus de difficultés que dans les autres pays à résoudre ou à avancer sur ces questions problématiques? Comment t'expliquer la Oui, comment expliquer qu'il y ait... c'est ça le problème. Comment expliquer vraiment les difficultés particulièrement importantes en Bosnie et qui perdurent et qu'au fil du temps, on n'arrive pas à avancer sur... Le problème de la situation en Bosnie, c'est surtout... ça dure déjà longtemps, depuis la fin de la guerre. Les accords de Dayton. Le problème, c'est que la société, c'est-à-dire les Serbes, les Croates et les Bosniaques, ils n'ont pas l'envie de vivre ensemble. Et par exemple, le problème, c'est le sentiment d'appartenance à un pays. Donc, il y a les Serbes, les Croates et les Bosniaques se considèrent vraiment que la Bosnie est leur pays, et donc pour contribuer au développement et tout, donc c'est un peu difficile de trouver le même langage entre les trois, et donc c'est ça le problème
C'est ça le problème concernant la Bosnie, parce que tout le monde, il y a vraiment un égoïsme, tous les trois, concernant les... tout le monde a ses objectifs personnels, et par exemple les Croates considèrent que la Croatie c'est leur pays, les Serbes que la Serbie c'est leur pays peut-être, et les Bosniaques sont là un peu à côté de la Turquie aussi, et le problème, tout est lié à cause de cette tension sociale qui existe encore en Bosnie-Herzégovine. Et vous êtes serbe de Bosnie. Est-ce que vous vous sentez plus proche finalement de vous sentez en tant que on appelle les citoyens de Bosnie vous sentez plus proche finalement de l'État serbe? Moi, par exemple, peut-être que je suis un cas particulier. Je suis d'origine serbe. Je viens de Foča. Et en fait, concernant ce sentiment national, je suis très ouverte comme ça de parler sur ces choses qui sont pour certains vraiment en Bosnie-Herzégovine très sensibles, parce que c'est comme ça, c'est vraiment une société très complexe. Et moi, je me considère, par exemple, concernant la Bosnie, je ne considère pas la Bosnie vraiment comme mon pays, parce que, par exemple, comme une jeune qui... moi, je suis née pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine et je n'ai pas de souvenirs vraiment j'ai pas de souvenirs de la guerre. Mais par exemple, quand je vais à Sarajevo, qui est la capitale de ma ville, en fait, je me sens un peu comme qu'il faut faire attention que je ne dis pas que je m'appelle Natacha, parce que les musulmans vont comprendre, et il y a toujours quelqu'un qui te regarde un peu bizarre et tout. Et en fait, une fois, moi, j'ai pensé jamais que c'est possible que quelque chose m'arrive comme ça, parce que c'est mon pays, pourquoi, qu'est-ce que... J'ai rien fait aux gens qui ils ont fait la guerre, mais c'était pas de ma faute. Et là, par exemple, j'arrive à Sarajevo une fois, j'avais un concours, je sais pas, et j'étais en retard, alors j'étais obligée de prendre un taxi. Et du coup, on était trois dans le taxi, on a payé trois fois plus parce qu'on était serbes à Sarajevo. Et comment je peux considérer la Bosnie comme vraiment mon pays quand je me sens un peu exclue dans la capitale de ma ville? Et concernant, par exemple, comme d'origine, je suis d'origine serbe, mais par contre, je ne sens pas du tout non plus la Serbie comme vraiment mon pays où je me sens comme chez moi, parce que je parle serbe, mais quand je vais en Serbie, j'ai un accent qui est différent, et je suis bosnienne, en fait. Mais surtout, je me sens européenne. Et je n'ai pas besoin de me sentir, par exemple, soit serbe, soit bosnienne. J'ai pas besoin. Alors justement, un invité, ça fait que Krimadil est avec nous, nous a parlé de cette envie d'Europe des jeunes des Balkans. Est-ce que c'est vraiment totalement partagé dans les jeunes que vous connaissez? Voilà, et qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'ici, l'Europe, il faut le souligner, ça fait plus forcément rêver ici en Europe occidentale. Est-ce que là-bas, dans les Balkans, ça fait rêver? Le sujet de l'Union européenne, l'image de l'Union européenne et de l'Europe en Bosnie-Herzégovine, la société bosniaque n'est pas très optimiste concernant cette question, et ils ne parlent pas. Ils considèrent que. Je parle de la société, en fait, qui considère que si voilà, l'Union européenne est aussi en crise, et maintenant, si on entre. Cela va être pire que maintenant et tout. Donc, c'est un peu plutôt sceptique que pro-européen. Mais voilà, maintenant, le pouvoir et tout, c'est vraiment très... c'est la question de la temporalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour progresser vers l'Union européenne, parce que la Bosnie a le plus haut taux de corruption et tout. Et c'est un peu une image pessimiste
pessimiste de l'Union européenne dans la société, dans les yeux de la société bosniaque. Je parle honnêtement. Merci, Mme Filipović. Je vais peut-être laisser, maintenant qu'on a écouté nos trois intervenants, la parole au public. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, vous pouvez poser ou à l'un et à l'autre des intervenants. On a un micro. Merci, José Moisan. Je m'adresse à l'historien qui nous a présenté donc, de façon très claire l'évolution très complexe de ces territoires redevenus des États. Et c'est la question que je vous pose, vous qui connaissez bien cette histoire, est-ce qu'on peut dire que la nouvelle page d'histoire qui va s'écrire et qui s'écrit pour ces nouveaux États, c'est-à-dire l'adhésion à l'Union européenne, est-ce que vous, pour l'historien qui connaissez bien ces pays avec ces diversités, est-ce que c'est vraiment une perspective, je dirais, solide, sûre et pérenne ? J'aurais envie d'être optimiste en répondant à cette question. Il est toujours très difficile, évidemment, quand on est historien, évidemment, on a un miroir qui est celui de ce qui s'est passé auparavant. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est assez délicat. On est face quand même à quelque chose qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité, je pense, ce qui se passe depuis 1945, l'aventure européenne, un continent qui s'est déchiré pendant des siècles et des siècles et qui, il est vrai, a connu depuis 1945, bien sûr, il y a des exceptions et on évoque une de ces exceptions, mais en dehors, effectivement, du cas particulier de la Yougoslavie, dans l'ensemble, il faut reconnaître que les choses sont plutôt passées pas trop mal, Alors moi, j'ai envie de dire que ce qui se passe actuellement, bon, la Yougoslavie, de toute façon, en tant qu'État, c'est derrière nous. Enfin, je vois mal, à court, à moyen, voire même à long terme, comment on pourrait revenir à une case antérieure. Donc j'ai envie de dire que ce que, quelque part, la Serbie a mal fait en tentant de rassembler des populations, l'Europe peut le faire avec l'avantage qu'il n'y a pas de critères ethniques, religieux, linguistiques, et que donc les choses peuvent se faire de manière plus équilibrée. Moi, je pense, pour répondre à votre question, que on est quand même plutôt sur la bonne voie, même si, bien sûr, on est dans un chantier. On est dans un chantier, les choses sont quand même très récentes, hein. On s'est quand même battu dans les années 90, c'est quand même tout près. Le cas de la Bosnie qu'on a évoqué à l'instant est un cas particulier, on le sait bien. Je pense qu'en dehors de celui-là, qui est un problème très complexe, il faut le dire, de par la configuration issue des accords de Dayton, ce qui veut dire qu'il faudrait essayer d'aller plus loin, mais on voit bien que ce n'est pas évident. Pour le reste, les choses vont quand même, je pense, dans le bon sens. Donc oui, je crois que malgré tout, on est dans une sortie de crise. Maintenant, combien de temps faudra-t-il pour que véritablement tout cela, bien sûr, se calme ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais dans un certain nombre d'États, quand même, la Croatie, par exemple. Moi, j'ai visité plusieurs fois la Croatie. Ce qui est frappant, évidemment, on pense d'abord à son littoral touristique, où là, vous ne voyez là où les Croates ont souhaité garder la mémoire. Par exemple, quand vous allez à Dubrovnik, dans le couvent des Franciscains, on vous montre les impacts d'obus, évidemment, qui ont abîmé effectivement ce monastère. Mais quand vous allez à l'intérieur des terres, effectivement, vous voyez encore quelques fermes qui ont brûlé ou maisons qui ont brûlé, qui sont en effet des traces de ces combats, mais ils sont assez ténus. Et c'est vrai que moi, j'avais, quand j'y suis allé quand même, c'était il y a quelques années, j'avais du mal à m'imaginer qu'il y avait eu des combats, parce que dans une zone de combat, qu'il y avait des combats ici, on ne ressentait plus du tout cela. Donc, je répète, mon opinion serait quand même plutôt positive, mais je pense que peut-être tu veux ajouter quelque chose. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien n'est stable dans les Balkans. Le projet européen, c'est pas un aboutissement, c'est plutôt un cadre. Thierry parle de chantier. Les peuples d'Europe veulent être partie prenante de ce chantier. Pourquoi ? Parce que c'est des garanties, c'est des balises, c'est éviter justement les sorties de route tragiques et sanglantes que les Balkans ont connues tout au long de cette histoire. Et puis j'évoquerai une autre situation qui, vue d'Europe, suscite plus de l'exaspération. C'est la crise en Grèce et le sauvetage de l'État grec, en fait, et en l'occurrence le sauvetage de l'Europe. Mais vu des Balkans,
perçu des Balkans, où j'étais régulièrement en discutant, c'est la chance grecque qui est mise en avant, la chance d'être dans ce cadre politique qui a permis, malgré les discriminations, malgré le débat sur les PIX, sur les pays du Nord qui travaillent et les pays du Sud qui la coulent douce, le regard est différent. C'est toujours important de changer de perspective. Et dans la perspective balkanique, la Grèce doit son salut à l'Europe. Et la différence de développement entre la Grèce et les Balkans, et les autres pays des Balkans, c'est l'Europe. C'est systématiquement vu de cette façon-là. Et j'ai beaucoup aimé le propos de notre étudiante serbe, parce que c'est un peu une défense illustration de ce qui a été dit. Dans le cas de la Bosnie, même l'Europe, le pessimisme de l'Europe, participe de cette dépression généralisée. Moi, je parlais des peuples qui se tournaient le dos, qui sont contraints de vivre ensemble. Plus précisément, les accords de Dayton ont congelé une situation, mais on n'a pas changé d'appareillage institutionnel. On n'a rien fait d'autre, et donc effectivement il y a une déception vis-à-vis des internationaux, c'est une espèce de situation sous cloche et qui risque effectivement dans ce cas-là de dégénérer. Mais la perspective européenne, ce n'est pas un aboutissement, c'est un chemin, et ce chemin c'est le seul chemin envisageable pour les peuples des Balkans aujourd'hui. Une question peut-être dans le public, oui. Michel Catala, je voulais vous remercier d'abord pour la qualité de vos interventions, c'était passionnant, tous les trois. Et puis une petite question sur la Bosnie, justement, parce que vous avez bien pointé du doigt le problème majeur, à mon sens, pour l'avenir de cette région, c'est le problème bosniaque, qui est fossilisé depuis 1995, et qui effectivement est un risque également de pourrissement par rapport aux autres États de la région, hein, qui pourraient être amenés, en cas de retour d'un conflit en Bosnie, à s'engager pour ou contre telle ou telle communauté. Alors, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps, j'allais dire, puisqu'on constate depuis maintenant près de 20 ans que les peuples de Bosnie ne plus vivent ensemble, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut organiser un divorce à l'amiable et qu'il faut, j'allais dire, séparer des communautés? Alors certes, ce sera un constat d'échec, terrible, mais séparer des communautés et peut-être, constater que les Serbes veulent être Serbes, que les Croates veulent être Croates, et j'allais dire en finir avec cette fiction, et qui serait finalement une étape pour, ou en tous les cas une évolution, pour faire cesser ce danger, qui est un danger, une menace pour toute la stabilité de la région. J'allais dire, je parlais la semaine dernière avec un collègue à Prague, hein, on parlait des événements russes en Crimée, etc., et mon collègue me disait, malheureusement pour les dégâts que ça a pu faire à l'époque, les Allemands de Tchéquie sont partis. La Tchéquie, de force en 1945, c'était un événement extrêmement malheureux, qu'il est le premier à regretter. Il en constate aussi que ça a amené la stabilité, hein, par l'unité d'un peuple désormais sur son territoire. Alors, est-ce que finalement, il ne faut pas constater le fait que ces peuples ne veulent pas vivre ensemble et organiser le divorce et la séparation ? On peut peut-être laisser répondre, merci, on peut peut-être laisser répondre... Madame Filipovic, je ne sais pas si vous avez entendu l'action. Ouais, merci. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu la question. On aurait bien aimé vous entendre répondre là-dessus. C'est la question finalement de la viabilité de la Bosnie. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique, vu la situation qu'on nous rappelle, qu'on nous explique, avec ces communautés qui ont du mal à vivre, un État qui n'est pas forcément viable, est-ce qu'il ne serait pas plus logique, demande Monsieur Catala, de prévoir, pourquoi pas, un divorce à l'amiable? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois, parce que tu c'est... Tu peux répéter devant l'ordinateur. Oui, on va vous répéter la question devant l'ordinateur. Oui. Oui, c'est-à-dire en fait que les accords de Dayton, ça ne fonctionne pas. C'est une question. C'est une question très complexe. Et, oui, peut-être
ça pourrait être une des solutions, mais je pense que dans les Balkans occidentaux, il existe aussi une nostalgie de l'ex-Yougoslavie, par exemple. Et par exemple, concernant la question de l'Union européenne, moi, j'ai participé, par exemple, il y a un mois en Macédoine, je suis allée pour une colloque concernant les Balkans occidentaux. Et vraiment, on a eu l'opportunité de discuter. Il y avait des gens de Sciences Po et aussi des gens de la région. Et la majorité, c'est la question sur l'Union européenne, l'intégration des Balkans occidentaux, de la Bosnie et tout ça en Union européenne. La majorité disait comme, mais pourquoi on ne crée pas encore une nouvelle communion, je ne sais pas, des Balkans, des pays des Balkans occidentaux qui étaient en Yougoslavie avant. Donc, concernant cela, le cas de la Bosnie-Herzégovine, peut-être c'est... non, mais c'est très compliqué de trouver un langage commun entre les trois peuples. Mais à mon avis, la situation... Le dernier espoir, c'est la jeunesse. Parce que je ne vois pas cette tension entre les jeunes. C'est plutôt maintenant, par exemple, les fonctionnaires qui ont le pouvoir en Bosnie-Herzégovine. C'est plutôt ça le problème. Parce qu'ils ne veulent pas avoir vraiment, par exemple, le président de la République serbe, il dit vraiment les choses sur les fonctionnaires en fédération et tout. C'est pas... selon moi, c'est ridicule, vraiment. Et concernant, par exemple, la jeunesse, les jeunes, moi, j'ai plus d'amis qui sont musulmans ou, je ne sais pas, croates que serbes. Par exemple, pour moi, c'est vraiment, pour les jeunes, ça ne veut rien dire quelle nationalité tu es ou on est tous pareils. Et c'est pas... Mais c'est plutôt dans les fonctions plus âgés, qu'il y a plus de tensions et tout ça. Donc, selon moi, la solution concernant les accords de Dayton, ça sera compliqué de changer quelque chose ici. Mais la seule solution, c'est peut-être attendre et que les jeunes viennent. Et c'est ça. Est-ce que j'ai répondu? Je sais. Oui, merci. Moi, je crois effectivement qu'il faudra faire preuve de beaucoup d'inventivité devant cette situation complexe. Maintenant, lorsque vous formulez votre question en demandant d'en finir avec ces fictions, moi j'ai peur que ce que l'on propose, c'est d'entériner la pire des fictions, c'est-à-dire une nation musulmane. C'est absurde, alors que l'Europe se construit par dès là les identités nationales, en tout cas les sublime dans un projet fédérateur. On va assigner un peuple une religion en guise de projet national. C'est terrible. Il y a un dysfonctionnement. L'Europe en est constante. Je suis vraiment heureux qu'on insiste sur ce point ici. J'avais évoqué lors d'un entretien avant cette conférence, je crois que la situation, les événements de février ont fonctionné d'une certaine manière comme électrochoc auprès des institutions et des organes responsables en Europe, à tel titre que la Croatie, le ministre des Affaires étrangères croate, a demandé dans un sommet à Bruxelles au mois d'avril qu'on accélère et qu'on crée une procédure spéciale de candidature de la Bosnie-Herzégovine. C'est à quoi il fut répondu très justement qu'on ne peut pas décliner des conditions particulières aux États selon leur réalité. Mais cela montre effectivement que l'on commence à bouger. Et là est l'intérêt d'ailleurs d'une présence d'États balkaniques au sein de l'Union européenne qui sont mieux à même de comprendre les enjeux, la complexité presque millimétrée de ce qui est en conflit sur place, à savoir donc Bulgarie,
Roumanie et Croatie peuvent apporter une expérience, un savoir-faire, une compréhension, un patrimoine culturel partagé en partie. Mais je crois que dans l'agenda de l'Europe, maintenant, tout est figé parce que effectivement l'euroscepticisme domine les campagnes électorales nationales. Je pense qu'on y verra plus clair après le 25 mai. Mais la situation en Bosnie, je ne pense pas qu'elle peut laisser encore longtemps indifférents les décideurs européens, au risque d'une catastrophe plus que prévisible et dont les événements de février pourraient être un des signes avant-coureurs. Il est très facile de transformer un signe social en signe nationaliste dans les Balkans. Merci. Une autre question, je crois. Ouais. Lauriane Sistormans de Radio Nantes. J'ai juste une petite question. On voit qu'au niveau de la fédération politique, ça a l'air vraiment compliqué à mettre en place. Est-ce que par ailleurs, il y a une fédération économique qui fonctionne et qui a revu le jour en fait, depuis la fin de l'ex-Yougoslavie? Non. Chaque État, le partenaire essentiel de la Serbie, c'est la Russie. Les partenaires économiques essentiels de l'Albanie, c'est l'Italie et la Grèce. Le Monténégro, c'est la Russie. La Croatie, bon, depuis peu, appartient à l'ère économique allemande. La Macédoine est orientée vers la Bulgarie, mais parce qu'elle est vers la Bulgarie et vers la Serbie, parce qu'elle est enclavée. Donc il n'y a pas de fédération de vitalité économique endogène. C'est un peu l'équivalent à l'échelle balkanique de l'Union du Maghreb arabe. Algérie, Maroc et Tunisie, dont les échanges respectifs sont proches de zéro et dont tous les échanges avec l'Union européenne, ça se passe de manière verticale et non de manière horizontale. Et on ne peut pas parler de... C'est un autre défi à venir, c'est créer vraiment une dynamique endogène dans les Balkans pour pouvoir effectivement resserrer les sociétés. Dernière question. Pour conclure. S'il n'y a plus de questions, je vais vous inviter, je vais remercier d'abord mes invités, Thierry, bon, qui m'accompagne en permanence sur les conférences et qui sera là encore demain. Et puis ça fait, donc je remercie chaleureusement d'être venu Bruxelles pour nous éclairer sur cette région qui est un petit peu oubliée des médias également. Je rappelle que ça fait, vous êtes l'auteur d'ouvrages sur la littérature albanaise notamment. Oui, Balade littéraire en Albanie aux éditions Ovadia. Voilà, tout simplement. Je voudrais également remercier Natalia Filipovic qui est intervenue, je rappelle, qui a pris un peu de temps sur ses révisions d'examen. Elle est actuellement étudiante à Sciences Po Paris. Et puis félicitations pour l'excellence de votre français. Merci au public également qui a bien voulu. Oui. Comment? Oui, oui, ah oui, je vais le mentionner. Merci au public, et qui nous a fait l'honneur de s'associer à cette discussion sur, je le rappelle, ce sujet un peu oublié. Je rappelle, comme le souligne Safet, qu'on publie, qu'on édite une revue intitulée Gare de l'Est, qui traite des sujets qu'on aborde aujourd'hui et qu'on abordera demain, à savoir les questions d'actualité, d'histoire balkanique et post-soviétique. Et quelques revues qui sont ici au prix de 20 €. Et puis alors donc je vous rappelle demain l'invitation pour une conférence sur les événements d'Ukraine. On sera en compagnie d'Annie Daubenton qui publie un ouvrage sur la question, qui a été correspondante de Radio France pendant très longtemps à Moscou, ensuite conseillère culturelle de l'ambassade de France à Kiev, qui revient de Kiev. Il y aura également en lien par Skype avec Régis Janté, qui est un journaliste français, nantais d'ailleurs. Originaire de Nantes et qui est basé maintenant à Tbilissi, qui nous dira un petit peu en Géorgie, qui nous dira comment est ressenti là-bas les événements ukrainiens qui viennent un peu comme en écho aux événements de 2008. Et puis moi je reviens également d'Odessa, donc je pourrais vous livrer un petit témoignage là-dessus. Merci encore et puis transmettez le message pour demain, espérant vous voir nombreux. Merci.